Salut! Je vous avais demandé il y a quelques temps sur Instagram si jamais vous seriez intéressé d'avoir mon top 10 ou mon top 15 de mangas favoris, soit en live sur YouTube, soit en vidéo. Il y a une petite majorité d'entre vous qui a préféré opter pour le format vidéo. J'ai donc décidé de m'y mettre, mais finalement j'ai plus envie de vous faire une ou deux grosses vidéos sur mes mangas préférés à la suite. Je pense que je vais les dispatcher petit à petit en vous parlant un par un dans une vidéo consacrée. Comme ça je pourrais le faire de manière plus sereine, pas obligée d'accélérer pour pas passer 3 ans, etc. Laissez-moi vous présenter un de mes 15 mangas favoris, Six Half, d'Erikako Iketani, publié chez Delcourt & Cam. C'est un manga qui a dû sortir au début des années 2000 ou milieu, je sais plus, je pense qu'il a commencé vers 2011 ou 2012. Et c'est une série terminée en 11 tomes. Au niveau du genre, on est plus dans un mix entre le drame et la tranche de vie, avec peut-être un petit soupçon de romance, il me semble, je me rappelle pas vraiment, c'est pas ce qui m'a le marqué le plus dans la série, en tout cas s'il y en a. Pardonnez-moi si j'en parle de manière un petit peu floue ou que je rentre pas dans certains détails, voire même si cette vidéo est très courte puisque je l'ai lue il y a assez longtemps et je l'ai pas relue depuis. J'ai prévu de le relire un de ces quatre, mais voilà. Et honnêtement, j'aurais pu les relire avant de vous faire la vidéo pour vous faire un truc plus détaillé, mais je sais pas, j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui d'une manière spontanée, donc voilà, moi j'aime bien écouter mon instinct. Dans cette histoire, vous suivez le personnage de Shiori, qui est une jeune fille qui a environ 16-17 ans, je dirais, qui va se retrouver victime d'un accident de moto qui va lui faire perdre la mémoire. Donc c'est ce qu'on appelle, je crois, une amnésie traumatique, post-traumatique, je sais plus, qui peut être partielle ou totale, et dans son cas à elle, c'est vraiment total, parce que vraiment, elle reconnaît même pas ses amis, sa famille, nada. On lui a expliqué la situation et à partir de ce moment-là, bah, vous allez suivre cette jeune fille qui va essayer un petit peu de se réapproprier sa vie, ses souvenirs et aussi de vivre normalement avec son amnésie. C'est tout un nouvel environnement qu'elle va devoir se réapproprier et redécouvrir. Il en est de même pour ses proches puisqu'elle ne se rappelle plus d'eux ni des rapports qu'elle avait avec. Et forcément, à un moment, Shiori se dit « Bon alors, qui est-ce que j'étais comme fille avant que tout ça arrive? Voilà, comment j'étais? Qu'est-ce que les gens pensaient de moi ?» etc. Elle décide de mener un petit peu son enquête. Et là, elle va être choquée puisqu'elle va se rendre compte qu'elle était, ou en tout cas était vue comme une personne méchante, manipulatrice, hypocrite, vulgaire, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et là, c'est un choc pour elle. Elle se dit « Waouh !» Alors c'est ça que les gens pensent de moi? C'est comme ça que j'étais avant? Ok. Et c'est en particulier cette prise de conscience qui va aussi l'amener à revoir ses rapports avec les autres, avec le monde, etc. Alors je vous dis pas qu'elle se dit « Waouh, j'étais méchante, je vais changer pour devenir gentille ». C'est pas forcément ça, en fait c'est plus qu'elle se dit, c'est quand même dommage puisque la Shiori du présent, bah, elle a perdu ce caractère-là et donc elle voit les gens et le monde d'une manière différente de l'ancienne Shiori. Forcément ses rapports avec les autres vont changer et surtout elle va commencer à s'interroger « Pourquoi je voyais les choses comme ça? Pourquoi j'étais comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle va donc à la fois se découvrir elle-même au présent mais aussi se redécouvrir au passé, surtout qu'elle se dit que peut-être quand elle retrouvera la mémoire, elle deviendra comme avant. Mais voilà, elle décide de pas se prendre la tête plus que ça et tout simplement de vivre telle qu'elle est maintenant en assumant bah, qui elle était. Elle peut pas nier ce qu'elle a été et à partir de là, elle va essayer de se reconstruire. Pourquoi ça fait partie de mes mangas préférés? J'ai adoré le personnage de Shiori qui est vraiment une héroïne de shoujo atypique. On est loin de cette image qu'on a souvent de l'héroïne de shoujo qui est un petit peu gentille, un petit peu naïve. Shiori, elle est pas comme ça, elle a du caractère, elle se laisse pas faire. Et surtout, elle dit vraiment ce qu'elle pense, elle assume ses choix, elle assume ses actes, elle assume ses paroles, et surtout, elle a un esprit très indépendant. Elle se préoccupe vraiment pas de ce que les gens peuvent penser d'elle, et surtout, comme je vous l'ai dit, elle a vraiment ce côté « j'assume qui je suis, j'assume qui j'y étais ». J'aime bien parce que c'est pas forcément une nana, j'ai envie de dire, gentille. Enfin, c'est pas qu'elle est méchante, mais vous voyez, c'est pas cette incarnation de la féminité par la gentillesse, la douceur, la fragilité, la générosité. Non, Shiori, c'est un être qui vit, qui a du caractère, qui a une manière de penser. Qu'elle peut être gentille avec certaines personnes, elle peut être gentille par moments, mais elle peut aussi mordre et s'énerver sur les gens si jamais on la fait chier. Elle a une manière de parler assez forte, assez directe, enfin voilà quoi, Shiori. Elle a son caractère sans pour autant être détestable et moi c'est pour ça que j'ai adoré ce personnage. Ensuite j'ai beaucoup aimé les thèmes qu'a abordé ce manga, bah, notamment la reconstruction suite à un traumatisme, notre rapport qui va changer sur le monde, sur les autres, sur nos proches, cette tentative d'essayer de se réapproprier qui on était, de se reconstruire à partir de là,
mais aussi peut-être essayer de s'en émanciper d'une certaine manière. Après un trauma, peut-être se poser cette question de est-ce qu'on va redevenir en retrouvant la mémoire la personne qu'on était avant, ou est-ce qu'au contraire on va essayer de tout faire pour avancer ou pour vivre au jour le jour, et puis on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'on reviendra comme avant, peut-être pas, peut-être que ce sera un petit mélange des deux. Est-ce qu'on peut aussi retrouver la mémoire, parce que c'est pas forcément obligatoire, ça peut prendre 3 jours comme ça peut prendre 3 ans, ça dépend vraiment des cas en fait. Je crois même que ça peut aussi ne jamais arriver, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, je suis pas médecin. J'ai vraiment aimé suivre Shiori redécouvrir son quotidien, essayer un peu de refaire connaissance avec des gens qu'elle fréquente, qu'elle a fréquenté, qu'elle est censée connaître. Notamment je pense à sa famille, il me semble qu'elle avait de très mauvais rapports avec sa petite sœur ou quelque chose comme ça, et vraiment elle essaye de changer ça. Sa nouvelle attitude en fait, ça choque un petit peu sa famille et... dans le bon sens bien sûr, mais du coup c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté, c'est bizarre, elle est pas comme avant, est-ce qu'elle va redevenir comme avant ou pas, moi je préfère maintenant. Il y a toujours ce petit entre-deux et je trouve que c'est super intéressant et humain de voir comment les personnages se comportent vis-à-vis d'elle et en même temps comment elle essaye de se comporter avec les autres, avec à la fois une remise en question, mais en même temps, voilà, on se prend pas la tête plus que nécessaire, on n'essaie pas de devenir une sainte, on essaie juste d'être nous-mêmes à la manière dont on l'est maintenant, je sais pas si c'est clair, c'est un peu compliqué, mais voilà. Autant Shiori a aussi un nouveau regard sur elle-même, mais certaines personnes qu'elle a fréquentées avant l'accident vont peut-être aussi essayer de revenir vers elle, ou vont avoir une nouvelle image des gens qu'elle avait perdu de vue pour x ou y raison. Peut-être qu'aussi qu'elle va se rendre compte que ceux qui sont censés être ses amis actuellement, et ben, est-ce qu'elle va se rapprocher de gens à qui elle ne parlait plus? Est-ce qu'elle va continuer à fréquenter les personnes qu'elle fréquentait quelques temps avant l'accident? Est-ce qu'elle va vouloir aller vers de nouvelles personnes? Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça, c'est vraiment un petit mélange d'interrogations, de doutes, d'humanité, de remise en question et en même temps bah, de volonté de vivre tout simplement. Et vraiment c'est une série qui est super intéressante. Alors je vous ai dit que c'était surtout un drama, après honnêtement je me rappelle pas avoir pleuré en le lisant, voilà c'est pas non plus un truc qui vous tire les larmes. C'est juste que bah on part sur une base quand même d'un accident traumatique, et forcément ça amène des problématiques et des questions à se poser autour de tout ça. Mais on est vraiment aussi sur un aspect de tranche de vie où on suit vraiment le quotidien de notre héroïne avec les autres personnages, tout ça, donc c'est vraiment un petit mélange de moments un peu plus tristes, un peu plus touchants, de moments un petit peu plus sérieux et un petit peu plus complexes, mais aussi de moments parfois plus légers et plus drôles. Il me semble d'ailleurs que j'avais trouvé ce manga assez drôle, notamment par certaines répliques ou façons de parler que peut avoir Shiori. Franchement, parfois, elle m'avait fait pouffer de rire, si je me rappelle bien. Enfin voilà, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une héroïne de shoujo qui change par rapport à d'autres. Ça fait cogiter et ça nous fait aussi, nous interroger sur qui on est, sur nos rapports aux autres, sur nos rapports à la vie, sur notre situation personnelle, même si on n'a pas forcément vécu un drame comme Shiori. Ça peut donner un petit coup de fouet en mode est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je fréquente les bonnes personnes, est-ce que je pourrais être autrement s'il m'arrivait ci, s'il m'arrivait ça. Enfin, une série qui nous fait réfléchir et qui en même temps bah, fait évoluer l'héroïne et on évolue un petit peu en même temps qu'elle sur certains points. Et ça sera déjà tout pour cette première vidéo, voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de découvrir Six Alpha. Alors aux dernières nouvelles, je crois qu'il est de nouveau publié, du moins dispo en commande, mais je suis vraiment pas sûre. Je sais que pendant un moment il était épuisé chez l'éditeur, mais il me semble aussi qu'il y a un certain temps j'ai vu que quelques tomes étaient de nouveau dispo, ou toute la série, enfin vraiment je sais plus. Je vous invite à demander auprès de vos libraires si jamais c'est le cas ou pas, parce que là franchement je suis dans le flou total, je ne sais pas si cette série est de nouveau disponible ou si elle est complètement épuisée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous tourner vers l'occasion, il me semble que j'avais déjà vu pas mal de gens vendre la série en entier ou certains tomes. Je pense que vous pouvez la trouver assez facilement et franchement pas à des prix exorbitants. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que je vous retrouverai très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos et notamment pour le prochain manga dont je vous parlerai. Allez, ciao !